cari amici, caro Enrico, mi scusi di parlare in francese perché il mio italiano è troppo cattivissimo. È una troppo bella lingua per ammazzarla. Spero che io, il mio ultimo professore d'italiano, ci diceva probabilmente non avrò opportunità di parlare frequentemente italiano nella vostra vita professionale, ma non dimenticatela quella lingua, è la lingua del cuore. E la lingua del cuore è la lingua del popolo italiano. E questa iniziativa, la tua, Enrico, è l'expression même de du cœur qui caractérise le peuple italien, de son humanité. Le président de la région disait à l'instant un geste simple, mais tellement fort, d'abord par son authenticité. Ce ne sont pas les grandes manifestations qui sont les plus symboliques, les plus significatives. Ce sont des gestes justement simples, parce qu'ils ont du sens. Le sens l'emporte sur toutes les autres caractéristiques de ce geste. Je dois dire que l'aide Giudicelli, qui est là, et moi-même avons été, comme tout le conseil municipal de Menton hier, bouleversés quand nous avons connu la tua initiative. Pourquoi? Parce que d'abord, je me sens un certain sentiment de culpabilité, di culpabilità, à l'égard d'Enrico, di 20 milioni dell'Italia, à l'occasion de la manière dont nous avons plus ou moins géré le problème des migrants. Et je me disais, nous, du côté français, on ferme la frontière. Et puis du côté de Vintimille, ils accueillent, ils reçoivent tous les migrants qui remontent depuis Lampedusa. Et on dit non, nous on ne les veut pas. Et on se sentait pas très fiers d'avoir cette attitude, mais en même temps, il nous était nécessaire de l'avoir sur un plan intérieur français, de politique française. De la même manière, on trouve que les accords de Schengen, qui n'ont pas été conçus pour protéger les frontières extérieures et qui en laissent la responsabilité à l'Italie, comme d'ailleurs à la Grèce, doivent être pensés. Il faut que l'Europe sache apporter le soutien nécessaire aux pays qui gardent les frontières extérieures de l'Europe. Nous avons été bouleversés et on a vu dans ce geste de la proximité, on a vu de la sympathie, on y a vu aussi de la fraternité, parce que nous le vivons, nous, intensément. Cela a été dit, la frontière, oui, mais de part et d'autre de la frontière. Nous sommes les mêmes, pas simplement parce que nous sommes des humains, nous sommes les mêmes parce que nous avons les mêmes valeurs, la même culture,
qu'en gros, ce sont les mêmes faits.